Bonjour à tous. Dans mes quatre vérités, je reçois M. Lassina Karamoko, président de LIDER, entendez Liberté et démocratie pour la République. Bonjour M. Karamoko. Bonjour monsieur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes président de LIDER. J'en ai déjà reçu une autre ici, Mme Bekia. Elle a été présidente élue par le dernier congrès de votre parti. D'abord, merci beaucoup de me recevoir et de me donner l'opportunité de parler de notre parti, LIDER. Madame Bekia, je la connais bien. Nous avons été des collaborateurs. Elle était déléguée nationale, j'en étais un également. Et puis, elle est passée déléguée générale. Mais il y a un seul congrès qui est légal, et c'est le congrès extraordinaire. Là, vous me parlez peut-être d'un congrès ordinaire, mais le congrès ordinaire n'avait plus sa place. Et c'est plutôt un congrès extraordinaire. Ce congrès-là avait été couvert par l'ensemble des médias. Oui, on peut le dire. On peut organiser n'importe quelle réunion et puis inviter les médias. Les médias viendront. Est-ce que votre congrès, apparemment, est-ce qu'on ne peut pas dire que votre congrès a été organisé un peu comme en catimini? Non, mais pour qui connaît bien Abidjan, c'est que la caisse de stabilisation au plateau est une très grande salle. Et la télévision nationale était présente, et la presse écrite également. Mais le congrès dont vous me parlez, plutôt la réunion dont vous me parlez, a été organisée dans le siège d'un parti, dans une salle qui ne peut pas contenir plus de 30 personnes. Voyez-vous la différence? Là où il y avait des milliers de personnes pour un congrès, comparativement à une salle qui ne prend pas 30 personnes, qui a organisé quelque chose en catimini? Mais est-ce que vous avez véritablement perçu ceci? Là, c'est une division manifeste du parti, oui ou non? Oui, on pourrait le dire. Alors, cette division-là, est-ce qu'elle rend service à la démocratie? Non, pas du tout. Il serait bon, n'est-ce pas, pour que la démocratie en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde puisse progresser, qu'à l'intérieur des partis politiques, il y ait une union et qu'on ait un bloc qui soit au pouvoir et un autre bloc en face. Mais les problèmes internes au sein des partis, c'est peut-être la mauvaise gestion de ceux qui dirigent, les premiers dirigeants de ces partis politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à LIDER? À LIDER, je crois que le professeur Mamadou Coulibaly, qui n'est pas un inconnu sur la scène politique en Côte d'Ivoire, a mal manœuvré, n'a pas fait le travail qu'il fallait faire pour qu'il y ait l'union dans son parti. C'était quel travail il devait faire? C'était un travail de rassemblement et de respect surtout des textes qui régissent, qui nous sont donnés librement. Si dès lors que les textes ne sont pas respectés, la division s'installe, il y a le camp de ceux qui sont respectueux des textes et puis il y a le camp de ceux qui, n'est-ce pas, font fi, n'est-ce pas, de ce que nous nous sommes donnés nous-mêmes comme texte. Est-ce que les conclusions de votre congrès sont reconnues par la justice, par l'État de Côte d'Ivoire, par les textes en vigueur? Ah oui, bien sûr. Lorsque nous avons été portés à la tête du parti, on a adressé des correspondances aux structures statutaires, au ministère de l'Intérieur, à la préfecture, et le ministère de l'Intérieur a acté notre congrès. Donc c'est le président élu que je suis est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que aujourd'hui le logo du parti vous appartient? Le logo du parti nous appartient, mais il est abusivement utilisé par d'autres personnes et nous leur avons adressé une mise en demeure par voie d'huissier. Mais ce logo est protégé? Oui, si ce logo est protégé au nom d'un individu, il n'y a aucun problème. En ce moment, nous allons réviser notre position. Mais si le logo est protégé au nom de l'association LIDER, alors tout président qui arrive à la tête du parti est le dépositaire, est le garant, n'est-ce pas, du logo. Est-ce que vous avez déjà pris possession du siège de LIDER? Nous ne l'avons pas encore fait parce que nous ne voulons pas aller à la confrontation. Et de toutes les façons, nous ne pouvons pas de nous-mêmes venir là-bas parce qu'il y a quand même un problème. C'est pourquoi la mise en demeure que nous avons adressée à ceux qui occupent le siège est de deux volets. Le premier volet, c'est leur interdit d'utiliser désormais le logo du parti. Et le deuxième volet, c'est on leur demande de partir simplement de là dans un délai raisonnable
Sinon, bon, on va assigner, on va les assigner en justice pour qu'ils soient vidés conformément aux lois en vigueur en Côte d'Ivoire. Pourquoi forcément animer une dissidence au sein de ce parti politique si, par exemple, comme vous le disiez, apparemment, vous n'étiez plus d'accord avec la façon de gouverner ce parti, la façon de diriger ce parti par le président Mamadou Coulibaly. Ça aurait été simple, plus simple que ben, vous quittiez le parti, que vous créiez votre propre parti politique. Mais Mamadou Coulibaly est là, vous auriez servi, rendu plus service, oui, à la démocratie. On pourrait le dire comme ça, mais Mamadou Coulibaly est plus maître de sa vie et de son temps. Mais il ne peut pas... Il n'est pas maître de notre vie et de notre temps. Qu'est-ce que vous voulez Lorsqu'il dire? Lorsqu'il crée un parti politique et qu'il nous demande d'adhérer et que nous adhérons librement sur la base des textes qui régissent ce parti, il ne peut pas à tout moment faire ce qu'il a envie de faire et puis on nous demande partir. Ah non, non, les textes doivent être appliqués. C'est valable pour le président fondateur et aussi bien valable pour n'importe quel militant qui adhère à ce parti. Alors, vous créez donc vos... Prenez la tête de votre leader, puisqu'il y en a deux en tout cas, oui, tout comme il y a deux FPI, oui, il y a deux PIT, il y a deux MFA, oui, deux UPC. Oui. C'est gênant quand même, non? Oui, c'est gênant. Peut-être qu'il faut qu'on revoie au niveau de ceux qui sont les présidents fondateurs. Généralement, ce sont des personnes qui ont été, n'est-ce pas, à la tâche au plus haut niveau dans le pays. Leur charisme fait d'eux, n'est-ce pas, des personnes en griffes intouchables. Il faut qu'on aille à une rupture et accepter que même si on a été président de l'Assemblée nationale, même si on a été ministre à n'importe quel poste et qu'on a créé un parti, on ne doit pas surplanter les autres au titre du fait qu'on a été ministre ou président de l'Assemblée nationale. C'est à cette rupture que nous voulons aller et puis faire comprendre que quand on a créé un parti, qu'on a adhéré et qu'on ne respecte pas les textes, alors bon, les textes s'appliquent à tous. Vous diriez, est-ce que vous diriez la même chose au président Henri Konan Bédié, par exemple? Vous savez que les partis politiques ici existent d'abord par le nom de ceux qui les président. Mm-hmm. Vous prenez le RDR, c'est le président Alassane Ouattara. Mm-hmm. Vous prenez le FPI, les deux FPI, mm-hmm, c'est d'abord le président Laurent Gbagbo. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous prenez le PDCI, c'est le président Henri Konan Bédié, mais avant, le président Félix Houphouët-Boigny. Mm-hmm. Donc... Mais le président Félix Houphouët-Boigny n'est pas allé dans sa tombe avec le PDCI. Le PDCI a survécu à la mort de Houphouët-Boigny. Mm. L'UDPCI a survécu à la mort de Guy Robert. Alors, si Bédié est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas un mandat limité. À leader, nous avons un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Alors, quand on a fait les 2 mandats, on doit partir. C'est différent pour le RDR, c'est différent pour les autres partis. Nous, nous sommes une particularité à leader. On a dit que c'est un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Juste après le congrès de votre leader, de votre parti, vous atterrissez tout de suite au RHDP. Certains ont pensé que c'est un choix opportuniste. Non, pas du tout. Le congrès m'a recommandé au président et nouvellement élu que je suis de discuter avec tous les partis politiques, y compris le bloc RHDP au pouvoir, afin de voir là où nous pouvions, n'est-ce pas, aller mener notre combat. J'ai discuté officieusement, c'est vrai, avec le bloc de l'EDS, conduit par Sangaré, et le bloc également de AFI, officieusement. Dans le compte-rendu que j'ai fait, n'est-ce pas, au secrétariat général du parti, nous avons constaté que là n'était pas notre place parce que nous voulions faire de la politique. Or, ailleurs, les gars n'étaient pas trop chauds parce qu'ils ne sont pas prêts à aller à des élections, mais plutôt prêts à engager des combats. Or, nous, nous voulons aller à des élections. On a compris tout de suite qu'au RHDP, où on prend la paix, certainement demandée par tous les Ivoiriens, où on prend la réconciliation, certainement demandée par tous les Ivoiriens, mais là au moins on veut aller à des élections pour faire la promotion de nos cadres, c'est tout à fait normal. Vous pensez que les autres n'ont pas envie de faire ou qu'ils ne font pas de la politique? Ils font de la politique, mais pas pour aller à des élections. Mais ils sont libres de mener leur combat politique comme ils l'entendent. Oui, mais nous, ça ne cadre pas avec notre vision. Mmh. Ça ne cadre pas avec notre vision. Notre vision à nous, c'est de faire de la politique en participant à la vie politique réellement, à tous les niveaux, en participant à des élections. Ce n'est pas en s'abstenant, en restant
en autarcie et refuser de participer à toute vie politique à travers les élections, qu'on va réussir, c'est qu'on a envie de réussir pour les militants qui nous suivent. Alors, même au RHDP, il y a de la tension. Il y a de la tension. À la preuve, le PDCI ne fait plus partie de ce RHDP unifié, là. Mais ça, c'est le choix du PDCI. Cependant, je n'ai pas entendu, où que ce soit, que le PDCI refuse d'aller à des élections. Parce que s'ils le disent, ils restent convaincus que plus de la moitié de leurs militants vont les fuir. Mais s'ils disaient ça, parce qu'il y a un bureau politique qui va s'ouvrir lundi, qui va se tenir lundi, et si, à tout hasard, parce qu'ils auraient bien des raisons de ne pas y aller, donc s'ils disaient, par exemple, qu'ils se retiraient des élections, de la participation aux élections locales prochaines, que diriez-vous? Mais ça, c'est à leur risque et péril. Nous ne partageons pas cette position. Parce que ça n'a jamais servi la politique de la chaise vide. Mais tel que je le connais, je reste convaincu qu'ils ne le diront pas. Alors, le PDCI, parlant donc du PDCI, ce parti est devant la justice. Oui. Aujourd'hui, oui. Les décisions du bureau politique du 17 juin ont été suspendues par la justice. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une action de justice. Bon, qu'est-ce que voulez-vous qu'ils disent? Il y a une plainte qui a été faite par, je crois, un député PDCI. La justice a tranché que le bureau politique n'est plus valable. Et donc ça, c'est une action de justice que je n'ai pas envie de commenter. Cependant, les uns et les autres pourraient dire que la justice est aux ordres. Mais souvenez-vous, c'est plus en quelle année, mais il y a un juge qui vit encore, Zorobi Baloy Epiphane, qui a signé pour le président Ouattara une certificat de nationalité qui avait également été rejeté. C'est le PDCI qui était au pouvoir. Donc les régimes qui se suivent ont toujours été taxés des régimes qui mettent la justice à leur ordre. Donc ça c'est la mauvaise foi des politiciens que nous sommes. Alors, est-ce que vous aurez des candidats aux élections locales? Oui, nous en avons sur plusieurs listes. Parce qu'au moment où nous arrivions au RHDP, au moment où nous avons engagé les démarches pour intégrer le RHDP, les têtes de liste avaient déjà été désignées. Donc, c'est ce qui a fait que nous n'avons pas voulu bousculer tout ce qui avait déjà été mis en place pour revendiquer des têtes de liste un peu partout. Cependant, que ce soit dans le régional du Boclet, nous avons un candidat sur la liste là-bas. Dans le Lot-Djibois, nous avons deux personnes qui sont sur la liste, à Djamé également. Et mieux, nous avons la tête de liste d'Azaguier. Azaguier, la tête de liste, donc, et les militants et députés leaders. Donc qui sera en face de Mamadou Coulibaly? Ah oui, il sera en face de Mamadou Coulibaly. Ça, donc, c'est un cas d'école. C'est un beau duel. Ah, c'est un beau duel. Et nous ferons tout pour que notre candidat batte Mamadou Coulibaly. Et justement, Azaguier, comment allez-vous expliquer à vos militants de faire un choix entre Mamadou Coulibaly et l'autre candidat qui est député? Je suis à l'aise parce que nous avons intégré le RHDP et le RHDP a pris l'un des nôtres pour en faire tête de liste. Il va de soi que le président du parti que je suis aille soutenir, n'est-ce pas, notre candidat. Et d'ailleurs, j'étais à Zaguier avant-hier là, et où je suis allé demander aux populations de voter. Et vous serez à l'aise face à Mamadou Coulibaly sur le terrain, vous qui avez été son chef de cabinet quand il était à l'Assemblée nationale? Ah oui, nos rapports personnels n'ont rien à voir avec nos positions politiques. Ma position politique aujourd'hui, je suis RHDP, mon député, il est candidat à tête de liste RHDP, je défends les intérêts de mon député, enfin de mon candidat. Toute dernière préoccupation, que faut-il faire aujourd'hui pour ne plus vivre à chaque rentrée scolaire la tension autour des frais annexes? J'ai toujours dit que dans le système éducatif en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Et chaque année, c'est la même chose. De mon point de vue, en tant que président de leader, j'ai dit que peut-être qu'il faut organiser des états généraux de l'éducation
qui va enregistrer, n'est-ce pas, qui va réunir tous les acteurs du système éducatif pour que toutes ces questions-là puissent être étudiées. Les frais annexes, là, n'existent pas maintenant. Depuis Bédier, 95. Il y a un décret présidentiel, n'est-ce pas, qui a instauré les frais annexes. Et puis, grâce à ces frais annexes, je me souviens qu'il y a des salles de classe qui ont été construites en Côte d'Ivoire. À Niama, où je réside, il y a un bâtiment entier qui abrite les classes de terminale qui a été construit par grâce aux frais annexes. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça pose tant de débats, ça pose tant de... Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut aller peut-être à des états généraux pour que nous attendions tous face à face, parents d'élèves, enseignants et étudiants, élèves, pour que nous puissions discuter pour trouver, n'est-ce pas, la solution qui s'impose. Sinon, il n'y a pas lieu, ça n'a pas commencé maintenant. Maintenant que vous êtes au RHDP, oui, dans quelques mois, ça veut dire que votre identité va se fondre dans l'identité de leader, de votre leader va se fondre dans le RHDP. Ah oui, puisque si nous intégrons le RHDP, au moment des discussions, pour que nous puissions tous fondre dans un parti unifié, on va avoir des discussions qui puissent prendre en compte nos préoccupations et puis on signera. Quelle sera votre place au RHDP? Notre place sera celle qu'on va vous donner. Que nous aurons mérité. Parce qu'on va se retrouver, mais comme c'est le terrain qui détermine tout, ils seront sur le terrain qui est véritablement leader et quelle place il faut donner à leader. Et si vous perdiez à Zaguier? Ça ne serait pas la fin du monde. Parce que de toutes les façons, on va à des élections soit pour gagner ou pour perdre. Mais déjà, nous savons que le candidat RADP à Zaguier est député leader. C'est déjà ça. C'est peut-être ce qui nous a valu qu'il soit choisi comme tête de liste RADP à Zaguier. Je vous remercie et très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Alderman.